pour ça qu'elle tourne. Bonne chose que c'est peut-être le manège qui les dérange. Ça tape. Ce doublé était magnifique. Une belle palombre en 30 à 15 mètres. Une à 35 mètres. Hop, bouge pas, ça monte, ça monte. Regarde celle-là. Hop, regarde, perché. Je vais aller la chercher. Elle frappe fort, franchement. Elles ont un pouvoir d'arrêt, il est incroyable. La palombe là, même la deuxième que je tue à 35 mètres là, qui tombait à mon père. Et là, le dernier pigeon que je tire pareil à 30 mètres. Ah franchement, c'est vraiment pas mal. Ça arrive à gauche, à gauche. Il n'y a pas une belle tâche, lui. Oh, bah, une matinée qui commence bien, là. Ah, n'est pas trop mal, hein. 4 pigeons, un corbeau. Par contre, il fait chaud. 9h du matin, il fait déjà 28. Encore, je sais même pas s'il est 9h. Elle arrive. Et puis, elle arrive bien. Bien. Oh, je l'ai manqué comme un sac. Ça arrive de face. Je vais me manger. 1, 2, 3. C'est loin. Celui-là bien. Non, non, t'en penses pas. Ah, c'est bon, ça arrive. 1, 2. Elle va dans l'arbre, je vais aller la finir. Avec le soleil, je l'ai mal tiré le deuxième coup. Voilà, une belle palombe du Rhône. Hein? J'ai pas tiré le corbeau, j'ai fini la palombe. Pas sûr. Il va aller passer sur. Ah ouais, il est beau, il est beau. Il va le manquer. C'est loin, tire pas, tire pas. Elle arrive. 1, 2, 3. Oh. Ce coup de doigt que j'ai mis au départ. Qu'est-ce que t'as? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis un petit coup de doigt. Non, un très gros coup de doigt.
Il monte un corbeau derrière. Oh, il monte. Une petite palombe. T'es prêt? Vas-y. Oh, il passe dans le soleil, le bâtard. Oh, je le finis au deuxième. C'est bon, dans tes formes. Oh, je le finis au deuxième. Ah, je manque le deuxième. Ça arrive ? Ouais. Il a tué la première. Doublé, papa. Ouais. En plus, je lui disais, je vais tenter le doublé. Oh, je l'ai manqué. À toi! Oh, giche. Oh, deux fois. Oh, le beau doublé. Oh, le beau doublé. Qu'est-ce que je veux doubler? À gauche, à gauche, 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 là. Oh, cette distance. Bon les amis, on a changé de poste finalement, toujours avec le Jean. On voyait que les oiseaux passaient plus à... Comment t'appelles cet endroit ici? Couloir de la charrue. Couloir de la charrue. Donc on a laissé la plupart des affaires, on a même laissé les formes et on a décidé de s'installer ici. Espérons que ce poste nous porte plus bonheur que le précédent. C'est ça. Alors il n'y a pas beaucoup d'images de GoPro, même quasiment aucune, tout simplement parce qu'il fait quoi? Il fait 34 degrés là. Et la GoPro s'éteint avec la chaleur au bout de 5 minutes. Même à l'ombre. Même à l'ombre, j'ai foutu un filet, j'ai foutu un machin, un truc, rien n'a marché. C'est pas grave. Écoutez, hein, on continue. J'espère que l'émission vous plaît pour le moment. Et puis, il y en a un qui est au taquet là, donc il faut que je me concentre. Ciao, ciao les gars.
Gabo. Il y avait une brave distance encore. Il en monte une. Il en monte une autre. Je crois qu'elles vont toutes se suivre pour aller manger là-bas. Ah, touché mais pas tué. Putain, je la prends au premier. Ça monte. Oh, au-dessus, au-dessus là. Au-dessus là. Elle tourne à gauche. Non. Non, il a tourné. Ah, il a... Putain. On nous a bien niqué, là. Là, encore. Ah oui, je l'ai. Je l'ai pas vu, la deuxième. T'es sorti d'où, ces machins? Ils sortent de la bouffe. Mais celle-là. Elle va passer. Aïe, attends. Oh. J'ai cru que j'allais la manquer. Trop près. Moi aussi, ouais. Heureusement qu'on n'a pas des filets. Au bout, on les a rattrapés au filet. Il y a quoi là? 4 m50 ? Ah, vous se posez mieux à des formelles, hein? Celle-là. Hugo, j'allais la manquer. Bon bah ça y est, fin de notre ouverture de la chasse pigeon et corbeau. Je tiens à remercier ces deux messieurs pour l'invitation, m'avoir fait découvrir le territoire et leur fait le tableau hein, parce que effectivement un joueur était adorable, il m'a laissé tirer un petit peu, mais c'est votre tableau qui est là aujourd'hui. Bon, journée un petit peu difficile avec la chaleur. Très compliqué, chasse à 38 degrés, des oiseaux perdus, ils recherchaient à manger, plus de tournesol. Complètement désorientés, on les voyait chercher. Là, on a des oiseaux à 19h en pleine terre. Ils cherchent à manger. Très très dur, un vent très sec. Mais bon, au moins, ça se termine sous le signe de la réussite. Oui. Tout à fait. Donc écoutez, encore une fois, merci. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Et je vous remercie bien sûr le sponsor de cette vidéo, Téréo. Nous a donné les pigeons d'extrême. C'était quoi donc calibre 12 Gameboard 34 grammes. Merci. Numéro 6. Qui ont bien fonctionné. Ah. Voilà, à la prochaine.